Quand on étudie les, les systèmes socio-écologiques, on a tout un gradient euh, du lien entre la recherche et le monde de la gestion. On a la, la recherche fondamentale qui se préoccupe peu de considérations de gestion, qui a très peu de liens avec les gestionnaires et dont les résultats ont peu d'utilité et peu d'intérêt, en tout cas immédiat, pour le gestionnaire. Il y a la recherche qu'on appelle la recherche finalisée ou, ou appliquée. Où là, le, le gestionnaire euh, va faire appel à un chercheur pour clarifier son questionnement et pour définir une question précise à laquelle le chercheur va répondre. Ce sera par exemple euh, aider le gestionnaire à établir un protocole de suivi d'une plante invasive qui entraîne en train de coloniser un espace de, de, faute, de forte valeur patrimoniale. Et puis enfin, vous avez la recherche qu'on appelle la recherche engagée ou la recherche action, qui va être la, la, la rencontre, si on peut dire, entre une, une volonté ou un projet de changement et puis une intention de recherche. Et donc l'intention de recherche, dans la plupart des cas, est portée par les chercheurs et le projet de changement social ou socio-écologique est porté par les acteurs locaux. Euh, et dans ce contexte-là, ça va demander aux chercheurs de participer à la définition de la question, aux chercheurs de participer, de fournir un appui scientifique à définition méthodologique qui va permettre d'explorer quels sont les problèmes, quelles sont les dynamiques, comment fonctionnent les interactions socio-écologiques et quelles sont leurs conséquences, et explorer avec les acteurs de manière collective. Euh, quelles sont les solutions potentielles et quels sont les scénarios d'avenir et donc les actions, les prescriptions à engager. Euh, ce travail là, il est important et il est souvent mené par des chercheurs qui euh, doivent rester euh, autocritiques, euh, garantir, euh, s'assurer d'une réflexivité critique sur leur propre posture, puisqu'ils doivent clarifier en fait les, les normes, les valeurs dont ils sont porteurs et qui vont influencer les prescriptions et la manière d'aborder le sujet. Euh, cette clarification est nécessaire pour éviter de tomber dans les polémiques de, de recherche militante ou euh, d'avoir fait de la recherche à, à l'insu de son, son plein gré.